Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Starfield. J'ai donc progressé vers le repère naturel hein, que l'on voit. Oh. Oh. Ouais, ils sont hyper hauts là. Comment je les bute? Je peux pas en fait. D'accord. Ok. On va pas faire ça. Même si, on rappelle, hein, Altair 2, il y a un potentiel de colonisation très intéressant, somme toute. Oui, mets-moi ce truc par contre. Vas-y, faisons cela. Ils sont où les autres cloportes là? Ils sont là. Oh, putain, hey. Ça m'arrangerait pourtant tellement qu'il meure. Hein. Mais la troublotte de mon perso aussi là. Plus. Ah ouais, ils sont pas à côté. Hein. Parce que eux, c'est littéralement que de la bouffe. Me dis pas que je l'ai pas touché là. Je vais me regarder avec le plus grand des mépris. Hein. Il me regarde tirer comme un débile, il fait non. En fait. Bon. Je suis en train de vider. J'ai vidé 100 cartouches dessus au bout d'un moment. Hein, peut-être passer à autre chose. Tant pis. On n'aura pas eu beaucoup de bouffe, mais bon, tant pis. Ok. Certes. Certes. Ok, là, Louis Cage, elle est là-bas. Ce que dit troupeau dit niveau 5. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, t'as des copines qui arrivent, ok. Ok. Tranquillement, pas forcé. Voilà. Tranquille. Oui, du coup, alors ça c'est celui qu'on avait repéré ensemble, mais j'en ai repéré donc un autre par là-bas. En avançant, évidemment. N'inquiétez pas, ça s'est très bien passé. Affleurement de glace, lieu découvert. Je crois qu'il n'y a rien à scanner. Je peux toujours vérifier. C'est exploré. Il y a peut-être une montagne de caca. Voilà, c'est ça, il y a une montagne de caca. Il y a un gros coffre. Un bio-coffre. Oh, il y a plus d'un bio-coffre d'ailleurs. Benzène, argon. Ok. Tout stade fouillé que vous transportez vous ralentit sérieusement. Ouais, ta connerie aussi elle me ralentit. On va être par là. Allons-y. Pas de raison que je prenne pas l'XP. Hein. Allez, sur mon chemin. C'est quand même un peu dommage de la refuser. Par ici. Changer celle-là. Oh. Là. Peu. On regarde pas. Hop. Peu. Bon, c'est des petits défis, hein, ça va. On s'amuse comme on peut. Hein. Là. Un autre signe de vie. Voyons. On trouve des signes de vie. Repère naturel. Oh.
serait qu'un arbre, ça? Bon, ok. Le jeu a l'air de me dire que ce n'est qu'un arbre, finalement. À 1100 mètres, oh, c'est pas, on n'est pas arrivé. Hein. Pratiquement sur le toit du monde. Le toit du monde. Ça va être encore les microbiens, là. Petite colonie microbienne. Oui, ça c'est celle dont je viens. C'est celle où je vais. Et... celle-là, elle est loin toute seule, quoi. Ouh, suicide. Ah, j'ai pété une guibole. Excellente nouvelle. Alors ça... ça, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir utiliser du soin. Du soin. Du... ah, j'ai peut-être pas d'attel sur moi. Des regrets. Nous pouvons utiliser le regret. J'en ai plein de ça. Vas-y, mange un morceau, mec. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette relique? Ok. Je ne sais pas, ça se mange. Peut-être ça se range dans le cul, mais c'est pas sûr. Burger de santé viande. Non. Non. Non, pas spécialement. Ouais. Non, pas... vas-y, un petit croc. Un petit croc, à la limite. On va s'enfiler quelques doublons. Ma santé va bien. Ma santé va très bien, finalement. Voilà. Je vais mieux. Bon, je vais galérer un peu à me déplacer, mais ça va le faire. Ah, c'est la colonie microbienne droit devant. Explorer ça? Ah, parce que j'aurais scanné le premier, du coup celle-là c'est forcément auto... oh, joli. Ça serait auto-explorer? Ah oui, c'est auto-explorer, d'accord, okay, effectivement. Ok. Et donc, hein? On veut dire qu'il y en a un plus là-bas? Attends. Toujours plus d'embrouilles? Un Suède, un Suède, c'est celui que j'ai exploré, ok. Donc soit encore plus d'embrouilles vers le repère naturel du fin fond du monde. Alors, c'est-à-dire celui-là là-bas, là. Lui, là. Vas-y. Allez, on est parti pour se faire chier. Hein. C'est ça le cœur du jeu, hein, faut pas l'oublier. Hein. Le cœur du jeu, c'est la balade. Voilà. Ce que nous faisons actuellement. C'est finalement, c'est un simulateur de balade. Mais... fiche ma gueule, par contre. Le jeu ne veut pas que je passe, c'est genre un mur invisible. J'étais
J'étais peut-être en train de buter contre cette bestiole qui dormait. Qui était donc parfaitement invisible à ce moment-là. Incroyable. Mais vrai. Quand je suis comme ça, je suis toujours perturbé par le fait que... J'ai toujours trouvé zéro flore. Je vois des arbres partout, mais... Mais il n'y a pas de flore. C'est un truc... Il n'y en a pas. Voilà. Il y a encore un petit morceau de roche rouge. C'est rigolo. Tellement de trucs microbiens que je me demande si on va pas encore vers un truc microbien. T'es où? T'es là. Ici. Avec 40 XP. Ça progresse à quelle vitesse? Non. Et on y est bientôt, hein. Ça avance, hein. Pronostic amélioré. Ah! Marcher, c'est bon pour se remettre en place les os de la jambe. Sachez-le. Allez, merci. Oh, attends. Je vais mettre un petit coup de douce quand même. Oh, c'était pas sympa de ma part. Coup de douce de daron. Hein. Il a pas kiffé. Hein. Un truc de champignac, c'est ça. Avec normalement des luises cages cachées sur les côtés. Hein?
autant emporter tout ce qu'on peut. Oh, putain, le gavage. Là. Ah, putain, mais vire. La quantité de merdier. Il n'y a pas un seul truc utile là-dedans, mais quantité de merdier, s'il vous plaît. Alors, oui, j'aurais dû profiter tant que j'étais là-haut. Tant que j'étais sur le toit du monde. Oui, bon, là, il y a plus rien. Hein. C'est... Hein, on est plus au bord de la map, là. On est au fond du truc. Hein. Péter une guibole. Ok. Allez. On va vers l'autre père naturel. On progresse. Ah, t'as oublié de charger le méchant. Les méchants. Faut les charger. C'est quand même fou, hein. Y a rien qui va dans ce jeu, quoi. On a même pas une monture animale, on a même pas un compagnon animal qui genre galoperait à gauche à droite, nous trouverait des trucs par exemple, parce que c'est rigolo et ça occupe les 10 doigts. Oula. Oula. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Viens ici, toi. Toi aussi, viens. Voilà. Hein? Pourquoi tu tires, grosse? Servira avant que ça pue vraiment trop. Ah, c'est parce qu'il y en a encore une derrière, ok. On va buter combien? 1, 2, 3, 4 déjà. On a 5. Il y en avait un sacré paquet au même endroit. Mais il y en a encore là? Ah non, elle est morte. J'allais dire, ah merde, hein, à un moment donné, ça s'arrête, lui. Celle-là, fallait mettre un repère. Hein. fallait marquer le nid primordial. Tiens, regarde, en face là. 6. 6, on en a 6 là. 6 sur le même spot. Pas mal, hein. Ouh, de l'ur. Ouais, autre signe de vie, on va y aller aussi. Hein. Et alors, sur le même point. Putain. Bon.
J'ai mis toutes les bestioles locales, d'accord. J'ai buté tout le monde, tout court. Voilà, y a pas d'embrouille. Y a rien qui vit, y a pas de problème. Pas de vivant, pas de problème. Putain, j'en aurais sacrifié des cartouches, hein. Beaucoup de cartouches, hein. Bon, après on va pas se plaindre, on a fait avec ce fusil là, rien qu'avec cette mitraillette là, on a fait 3-4 niveaux. je vais pas me plaindre, hein. J'ai bien vidé mes cartouches, mais on les a bien amortis aussi. En vrai, je pourrais peut-être taper un peu sur le 12. Je sens que je me fais chier pour rien passer là, mais bon, c'est pas grave. Dommage, ils auraient pu en profiter pour au moins ceux qui aiment se galérer à escalader les montagnes comme des sourds, mettre un petit peu de ressources au top. Genre soit un peu les rares de la planète, soit je sais pas. Ouais, ils auraient pu me faire une petite concentration d'uranium, je sais pas. Trouver une idée, quoi. Déjà vu aussi, mais bon, on va le prendre quand même, hein. On va tout découvrir. Je sais même plus où est-ce qu'il est planté mon vaisseau spatial, mais je crois que quand on sera à la structure, on sera plus très loin, je crois. Gardons un œil sur les formes de vie hostiles. Tu veux dire qu'il faut qu'on garde un œil sur nous? Humour d'humain. J'ai envie de dire PTDR, tu peux pas tester. XP. Oh, joli. La fameuse croissance fongique. Bestiole là-dedans, je l'ai vu. C'était un quoi? Un troupeau de machins là? Normalement, il y a un sac à caca là-dedans. Quoi ça? Un tournesol. Voilà, c'est ça que je cherche. Ici. Voilà, c'est ça une daronade, mon gars. Oh, j'ai perdu l'appétit d'un coup. Je vois pas pourquoi. Les pattes sont très juteuses par rapport à ce qu'on pense.
fou par rapport à ce que ça en a l'air. Y'a pas un petit sac à caca là avec du loot? T'es sérieux là? On s'est vraiment fait soulever comme ça là? Qu'est-ce que tu veux toi? Ta gueule. Oh l'autre il a essayé des trucs. Il a essayé, il s'est rappelé qu'il a échoué. Oh là! Juste à la sortie là. Je te vois pas mais je t'en ai une. Ah, touché. Oh là 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 là, le fusil de papa, hein. J'avais oublié que c'était très bon quand tu la mettais bien. Alors. Le frontière. Ah, on le voit. C'est beau ça. Ah, c'est beau, on voit le frontière. Ah, c'est beau, c'est loin. Oh putain, c'est loin. C'est beau, mais c'est loin. Mais allons-y, on va faire tous les sites naturels, machin. C'est bien dans le titre de la vidéo, c'est pratique. Je sais pas, ça m'arrange. Ouais, j'allais dire en miné au 12, quand même. Enfin, quand même. Bon, allez-y, on va aller voir le troisième site naturel, qui est un site qu'on a déjà vu, 100%. D'ailleurs, c'est marrant, on a trouvé une espèce fongique sentiente, mais ça compte pas dans les races animales. Vous avez 2 heures. On a trouvé des tonnes de végétaux un peu vachement spécifiques, mais ça compte pas non plus. Je pense qu'on bascule sur ça, là. Voilà. On l'attire un peu. Hop, ça, on le descend. Faire où ça tombe, surtout, très important. Le niveau 22. Approuvé. Boum. Ok, bon, je suis déjà devenu un grand chef cuisinier. Est-ce qu'il serait pas temps d'améliorer mes capacités balistiques? Ce serait un peu de la folie, certes. Mais ne serait-ce point une folie calculée. Ah, de l'eau, de l'eau. Encore? Non mais putain, vraiment. Non mais vraiment, ça va, les repères naturels, tu fatigues, hein. Fatigue du repère naturel là. On n'arrivera jamais, hein. C'est le pays où t'arrives plus. Hein. Ah. Mais. Pas eu d'XP sur celle-là? Sérieux? Putain, sale chien, pourtant je lui ai mis une belle cartouche. Hein. 2 belles cartouches là. Ça vendait du rêve tout de suite. Bon, c'était où là ton machin? Repère naturel, il est là. Let's go, on y va. C'est parti, let's go. Encore? Ça c'est quoi? Encore un autre repère. Pourquoi je pose la question? Il n'y a que ça, il n'y a que des repères naturels. Kit d'urgence, c'est pas ce qui va m'intéresser. Une liqueur alien. Taux de récupération nul. Ça c'est juste des points de vie. Juste des PV. Pff, les pièces de vaisseau. Je peux manger une pièce de vaisseau? Ah oui, j'aurais peut-être dû les poser. J'aurais dû y songer qu'il fallait que je les pose. Bon, je cherche un truc pour me remettre de l'oxygène, mais en vrai, bon, Zef, on roule. Hein. On va rouler, on va marcher. Hein. On a guéri une contusion. Oh, ça fait plaisir. Bon, ça me dégoûte un peu parce que je sais ce qu'on va trouver au bout. Vous voyez, on va trouver l'arbre. Alors, soit l'arbre, soit une pile de cailloux, au choix. On a des cailloux bleus aussi là. On aura pas mal.
Ça va être la méga racine. On devrait pouvoir récolter des tas de matières organiques ici. Je regarde pas. Excusez-moi, j'allais lâcher ma souris pour du café. Cimetière. Oh. 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 Il se dit des choses là. Alors, cimetière de bestioles un peu grosse. Hein. Si jamais. Le loot. Alors. Est-ce que c'est considéré comme exploré ou il faut que je trouve des têtes de monstres? Parce que là, je crois que j'en ai une, ça. Hein. Je vais pas faire le mec, mais... Il y a un truc dedans ou quoi? C'est moi. Bon, ça doit être moi. L'autre, il est coincé ici. Bon, on l'aime bien quand même. Une structure lointaine par là. Oui, non. Hop, j'ai l'hégémonie. Par contre, ah oui, c'est vraiment blindé de sites naturels, hein. C'est blam, la tartine. C'est exploré. Oui, y a rien de plus à faire. Très bien. Allons-y. Ah, ça m'énerve. Voilà, merci. Vous me pétez une gibole, ça fait plaisir. Oui, il y a pas d'autre. Hein. Je ne mets pas un autre site naturel. C'était cool le jeu. Ah, on a vu sur de l'uranium et de l'eau. Est-ce qu'on ferait pas mieux d'aller tout droit? Ah, toujours le temps de prendre un petit peu d'uranium. Nom du ciel, laissez tomber ces trucs inutiles. Mais l'uranium inutile? Pas sûr, ma fille. Pas sûr de l'inutilité du projet. Je suis à 79% de découverte de la planète. Le problème, c'est que je suis en train de me poser la question si redécouvrir tout ça sert vraiment à quelque chose. Genre, ouais. Ouais, ouais, j'ai trouvé ce truc, ouais. Ouais. Groupement écologique, lieu découvert, cool. Il s'agit de l'histoire d'une grosse racine. On appellera la grosse racine. Donc, un gros caca là. C'était très bien. Pas de Louise. Louise. Louise attaque. Oh, la quantité de créatures qui volent dans le coin. Ça donne envie de sortir un autre flingue. Elles m'ont l'air un peu haute, non? Voilà. Je l'ai eu. Hop là. Faut crève. On voit ça. Oh putain. Est-ce que vous m'avez lancé comme nombre de cartouches? Je pense que la prochaine arme ce sera un petit pistolet. Hein, parce que là... Là faut économiser les cartouches. Hein. J'en tire trop. Hein. Merde. Voilà, merci. Spling. Oui, vas-y, passe, mon gars. Ne dites pas que vous allez manger ça, par pitié. Oui, c'est super bon. T'inquiète, Biquette, c'est méga bon.
une petite Louise. Allez, le jeu. Ah, je le vois pas encore, pourtant je le vois sur mon radar. C'est marrant. Il y a un truc là-bas, genre de type grotte. Je peux pas encore le voir. Ah, ou alors je l'ai pingé avant. Parce qu'on va commencer à se rapprocher inévitablement d'une frontière. J'ai l'impression que plus on le voit, plus on est loin en fait, mais bon, c'est pas grave. Je dis qu'on est de plus en plus proche. Ou qu'on se rapproche de nouveau. C'est pas. On ne sait plus. On ne sait pas vraiment si un jour on a su d'ailleurs. Tiens, tiens, tiens. Voyez-vous cela? Non. Hop. Ok, les deux sont venus. Impeccable. Comme tu as de grands yeux, la Louise Cage, mais bon, mieux te les nourrir, mon enfant. Hop là. C'est vraiment. Au niveau 5. T'es sérieux là? T'es sérieux? J'en ai rien à foutre d'avoir perdu l'XP, c'était trop la route. Oui oui, sois tranquille toi. Oui, apchi, aïe aïe aïe. Merde, j'ai perdu mon œuf. Ah, j'ai perdu mon œuf. Un œuf. Oh, je vous jure. Hein. Je sais pas où je l'ai plombé, mais je l'ai plombé. Hein. Ah merde, je l'ai perdu. Vraiment, hein. Je l'ai vraiment loose. Hein. La petite coquine là-bas. Je sais ce que t'as trouvé. Boum. 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 C'est très marrant. Ah mais il les a tous giclés du coup. Trop, trop drôle. Yes, groupement écologique. Ouais, c'est toujours la même. Hein. Un gros réseau, quoi. Avec des criquets. Bon. C'est cool. C'est quoi là? Je crois que je t'ai pas vu? Je sens que t'es mort? Qu'est-ce qu'il y a? Chien! Je vais faire quoi? Je vais faire quoi le sang de t'es mort? Oui, le sang de t'es mort. Mais je te jure, le sang de t'es mort. Mais il y a un tas d'excréments là-bas. C'est une zone un petit peu large, d'accord, intéressant. Je vais prendre le gros caca là-bas. Oula, oula. Je vais plus être capable de viser quoi que ce soit si je continue. Alors. C'est le moment où vous êtes censé apparaître, hein, les bestioles.
Par contre, j'avance vers un point sur mon radar, voyez-vous. Ça, c'est un point là-bas. Et... Il est sur mon radar. Hein. Quand je vois 2200 km de distance avec le vaisseau, que je le vois, mais pas ce point-là, je suis dubitatif. Mais j'y vais, confiant. Comme ils disent en Chine, en avant Guingamp. Passionnant le jeu. Ah, excusez-moi, hein, j'ai encore. En fait, il y a un dessous, il y a un rebord sous ma souris, hein, et je passe mon temps à le niaquer, à l'attraper, alors que moi, je veux attraper mon café, quoi. De l'ur. Toujours un peu de place pour de l'ur. Je suis à moins de 2 km du vaisseau. Hein. Quel plaisir. Par contre, on est d'accord qu'on le voit toujours pas à l'autre. Hein. Je sais pas, mais on y va. Hein. Ok, ça suffit. Faut que vous commenciez à vendre des trucs. Non. Moi, je veux bien, mais il y a personne pour vendre. Et à un moment donné, j'ai galéré pour trouver des... Ah. Ouh. Ouais, c'est parce qu'en fait, oui, c'est des points que j'ai déjà marqués. C'est pour ça que je les vois. Ça veut dire qu'on se rapproche vraiment du vaisseau. C'est pas une blague. Regardez, 1800 mètres. Oui, c'est pas une blague. Oh, c'est une blague vachement bien construite. Ouais, c'est là, de l'eau. En plus, on va vers un avant-poste civil potentiellement. Je crois que le petit igloo là, c'est un avant-poste civil. Donc, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on a des tas d'objets à vendre à la tonasse. Et d'ailleurs, avant d'aller vers cet objectif là, est-ce que je ferais pas mieux d'aller à la fameuse grotte? Ouais, c'est ça. Hein. Je ferais mieux d'aller à la fameuse grotte d'abord. Ouais. Il n'y a rien là-bas. Hein. Il y a R. Faut que d'abord j'aille vers la fameuse grotte. Ouais, faut pas courir. Contre la fameuse grotte, je vais la voir à un moment donné ou c'est quand je serai dedans que je vais la voir? Possible, hein? Ah, ça y est! Ça y est, on l'aperçoit. Ah, 800 mètres. Let's go, hein. Ah. Bon. Gâcher des balles n'importe comment. Je sais que ça me démange parce que c'est vachement intéressant comme truc, mais bon. Ça ne fait pas tout. Reste poli. Restez poli, hein. Ah, il y en a deux là. Ici. Ouais, alors, une par une. Hein. Donc vous courez vite, hein, vous deux.
Fred ne vous prend rien dans votre message. Je suis d'accord. Cette logique a été approuvée. D'ailleurs, j'ai gagné un point, moi. On pourrait devenir des champions de la balistique. Oups, j'ai glissé. C'est pas de ma faute, hein. Je voulais devenir un champion de la balistique, mais... L'argent. Surtout qu'on est plein comme une huître et qu'à heure d'heure, on va aller vendre des trucs. Enfin, je dis plein comme une huître, hein. Comme d'habitude, on a trois flingues à la con, mais on trimballe 800 tonnes de minerai, quoi. Qui ne valent rien. Ça vaut rien. Si tu ramasses de l'uranium de surface, tu vas vendre ça au kilo, on te dit, ouais, 3 crédits. Sérieux, là? Même si tu me dis, ouais, mais ça a plus court, c'est périmé. Quand est-ce qu'une centrale nucléaire devient périmée? Dans quel monde? Quel univers? C'est impossible. Pas très intéressante, je veux bien. Mais c'est comme si tu me disais demain, ouais, non, mais en fait... Le charbon, ça vaut plus rien. D'accord. Le charbon, ça vaut plus rien, je suis d'accord. Mais le bois... Quand est-ce qu'un jour tu me diras, ouais, non, mais le bois, la pierre, tout ça, ça vaudra rien. Y a pas de monde qui existe où un jour ça vaut rien. Allô? Éthique. Oh, ce vieux douze de papa, comment il est bon! Il est agréable, hein. Oh, il me fait des choses. Vous avez entendu ce rechargement? Il m'a fait des choses. Yes, c'est celui que j'ai crevé, excellent. Hop. Touché. Level 20! Non, non, c'est par ici. Tu peux revenir, effectivement. Mais tu reviens, oui. Qu'est-ce qui est fou? Elle est devenue débile ou ça se passe comment? Je suis contente que vous vous occupiez de ce genre de tâches. Ouais. Pauvre tâche. Donc la grotte, 60 mètres. Je pense qu'elles vont avec la grotte, celle-là. Coucou Hibou. Louise. Petite petite. Oh les calibres 12, hein. Va falloir vraiment que je mette des points aussi dans les fusils à pompe, hein. Parce que les critiques aux pompes, hein. Ça t'explique la vie en moins de deux. Ça t'explique très effectivement, très efficacement la vie. Beg Benzen. Quoi? Attends, pour la première fois, il y avait une bestiole dedans? Non. Si, il y avait une bestiole. Incroyable. Putain, je te crois même pas le jeu. Je pense que c'était un accident de chargement de ta part, je pense. Ou alors c'est moi avec mon disque dur périmé qui empêche les monstres de charger dans les caves. Ce qui serait pas impossible, hein. Et du coup ça mettrait beaucoup plus de pression, hein. Ah ouais, aïe. Je fais mal au doigt. Y'a que des gaz?
Vous transportez assez de bazar ou vous voulez qu'on en trouve plus? Je veux bien qu'on en trouve un peu plus. Bon, cul-de-sac. Cul-de-sac. Oh, puis franchement, on a une époque. Y a pas mieux que juste cette vieille lampe torche éclatée. Je peux pas avoir des petits trucs qui se lancent ou je ne sais quoi. Ok. Moi, je vois du parcours. Je suis pas sûr de l'utilité de ce que je fais, mais... Mais je suis en train de le faire. Oula. Oh. Du crédit et un câble zéro. Ah, pareil, hein. Ça c'est mignon, hein. Mais l'utilité dans le jeu... Pitié, quoi. C'est quoi l'utilité... C'est quoi l'utilité de ce truc? S'il vous plaît. Enfin, le... pas l'utilité. Oui, c'est utile. Ok, super. Hein. J'ai trouvé un câble, machin. Super, cool. J'ai trouvé du pognon. Cool. Le roleplay du truc. Le RP du machin. Ok. Et putain, mais elle est immense, cette grotte. Attendez, je repasse. Il y a peut-être un truc là à récupérer, peut-être on ressort pas au même endroit. Ou peut-être que tout est lié. C'est pas impossible non plus. Ouais, tout a l'air lié. Ouais. Tout est lié. Ok, là j'arrive là où il y a les... Okay. Petite bestiole crevée. Le tas de caca. Le caca en tas. Il n'y avait pas un machin œuf. Dépôt d'aluminium. Ah. Ça. Ça se mine. De l'or. Ça, quel plaisir. De l'or. Le sac d'œuf à fouiller. Donc ici, on descend vraiment tout en bas. On va fouiller deux bestioles crevées. Et cul de sac. Et cul de... Ah, dégage, connasse. Et ouais. Ok, bon bah, c'était cool. On sort. Waouh! Je sais pas si c'est normal que je saute aussi haut. Mais ça m'arrange. Ça m'arrange. J'ai l'impression que la gravité a pris un coup sur le museau. Non? Ouais, la gravité elle a pris un coup sur le museau. Hein. Ça j'ai récupéré moi. Ah, je te récupère. C'est par là. Alors, comme ça, il y avait un prédateur. C'est très étonnant. C'est récupéré, ça aussi, non? Oh putain, hé! Ah. Il n'y a plus qu'un. Hé? Mort? Mort. Mangeté. Humour. Bon allez. Allons voir ça. Allons voir ce truc là-bas. J'espère qu'il y aura des marchands. Oui d'ailleurs, je peux toujours pas courir. Hein, donc... Je suis en train de m'énerver là, mais on ne peut toujours pas courir. Panneau solaire. Civilisation, là-bas. On est loin, d'ailleurs, ou pas? Ah non, 500 mètres. Allez. Allez, ça se fait tranquille, ou ça? C'est franchement, c'est les 500 mètres de la tranquillité. Contre le caillou, là. Le caillou qui m'empêche d'avancer, là. Du argon et du zola, du argon zola.
Hey, par ici. L'autre est en train de vivre sa vie, en train de chasser sa petite bête tranquille. Bam! Petite balle tranquille. Je laisse passer le troupeau, je régénère mon énergie. On est au calme. Y'a rien qui se mine. Ah! Signe de vie là-bas! Oh putain, toujours plus loin, c'est ça? Vas-y, juste fais-moi rien. Putain, vraiment. C'est là où tu te dis, je sais pas si la planète elle a été faite à la main volontairement ou s'ils ont fait de la génération aléatoire, mais là vraiment. Et c'est lourd les gars. C'est un peu chiant. Ouais, y a pas de minerai autour, c'est ça. Avec du gaz. Il faudra que j'aille là-bas. Oh, 730 mètres. Ah. Vaisseau. Oula 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 oula. Oula oula oula. Oula oula oula. Ah, attends, il y a une structure là. Oula. Ouf. Ouf. Ouh, je vais peut-être. Est-ce que ce. Ah, c'est pas la fin de l'épisode? Ça a failli. Attention, ça a failli être la fin de l'épisode. Hein. Attends, ah oui, il y a des structures là dans le coin. Ouais, on va visiter les petites structures qui sont sur chemin. Je vais pas non plus faire un crochet pour l'autre. Hein. Est-ce que je suis vraiment à une boîte près? Je répondrais bien que oui, mais. Vous allez vous foutre en l'air si je fais ça. Ouais. Ah, ça serait du vol. Oh, ça serait du vol. Ouais, mais les crédits. Crédits, ouais, c'est jamais du vol, les crédits. Ça compte pas. Ça compte quand même que pour l'un. Ça compte gratos, normalement. Les caisses de stockage. Si vous portez autre chose, vous devriez commencer à faire des priorités. Ouais, je fais. Ça, c'est du vol. Je le consomme, et puis il n'y a pas de vol. Couteau de poche, crédit... Est-ce que dans cette liste, je peux avoir juste le deuxième? Tenue d'ingénieur? Oh, sexy, l'ingénieur. Je prends juste les crédits. Je prends juste le fric. Le reste, je vous le laisse. Juste l'argent, si vous laissez ça dans une caisse antimicrobien 2. Ouais, ouais, je vois pas trop le... Bon, je vous laisse ça, quoi. C'est dommage qu'avec les scanners, on peut pas voir c'est quoi les vaisseaux, c'est quoi leur marque, c'est quoi leur classe, ou ce genre de choses. C'est de l'ure. Avant-poste civil. Découvert. Ouh. J'espère que ce coup-ci il y a des vivants. Juste me dire tu peux pas piller, mais tout le monde est mort. Super, merci. Grave plaisir votre histoire. Des crédits. Prends-moi ça. Il y a des polymères, des cartouches. Ok. Un robot. Robot modèle A. Coucou. Bonjour. Vous pourriez respecter les règles. Mon réseau neuronal comprend un mode de combat. D'accord. C'est aimable de le préciser, mais on s'en fout un peu. Ah. Des gens. Il y a toujours des trucs à réparer ici. Mais au moins, personne ne me dit quel truc réparer. Cool. T'as un laboratoire pharmaceutique. Excusez-moi, mais j'ai un peu de matière première. J'ai pas de cob de CBQX, mais c'est de la bouffe ça. Quand j'étais plus jeune, je pensais que j'aimerais vivre ici. Et vous savez quoi? Des remèdes miracles. Ah, je vois ce que vous avez assemblé. C'est une très bonne idée. T'as vu hein? C'est une dinguerie même. Des bandages infusés. Ah oh, ouais, vas-y. Hein.
pour se faire que du high-tech, on va se faire que du high-tech. Hein. Combien je peux en faire? Oh, let's go! Let's go! Je peux en faire d'autres comme ça? Oh, let's go. Oh, la quantité de médoc fabriqué. Putain. Je sais pas si j'ai pris un level avec ça, mais... Non, pas ça. Pas là. Là. Non. Mais on a pris un demi-niveau. Oh, let's go. Hein. On s'est fait un bien, là. C'était incroyable. Par contre, la madame... Il y avait une madame. Ah, bonjour, madame. Du coup, je peux vous parler? Si vous avez besoin de faire réparer votre vaisseau, allez voir mon bras droit. Et il sera de côté. Ok, on va aller voir ton bras droit. On va sortir par là. J'aime bien visiter. Ah, la lumière. Oula. Vous avez visité. Salut. Bah, salut. Vous n'avez pas un marchand dans votre crew quand même, s'il vous plaît, quoi. Pitié, 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 pitié. Mais bon, un marchand quand même. Oh, mon ami Wilby. Je peux même pas le prendre. This is my friend. C'est une porte? Parfois, d'autres colonies nous envoient des provisions. On n'aurait jamais pu survivre sans eux. Nos produits sont en solde ce mois-ci, je crois. Cool. C'est le cuistot. Oh la cuisine, la sainte cuisine. Oh. Oh ça va déraper. Oh ouais. Combien on peut en faire? On pourrait en faire 12. De toute façon on sera limité à 12, hein, quoi qu'il arrive. Allez. On n'a pas assez de membrane. On est en galère de membrane. C'est-à-dire que j'ai pas tué assez de bestioles. Voilà. Je vous ai entendu atterrir. Vous nous apportez un souvenir des grandes villes? Mais je sais pas atterrir, cousin. Je marche on à pied. On a les meilleures protections du coin. On répare tout nous-mêmes. Est-ce que t'as besoin de quelque chose? Vous avez un kit de soins? Vous devriez toujours avoir un kit de soins sur vous. J'ai toujours ça sur moi. Je sais pas si j'en ai, mais ok. Acheter. Je peux t'acheter quoi? Des trucs bien ou... Oh! 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 Faut en acheter un. Munitions. Alors, je sais que je consomme du 11 mm en voie. Oh, du calibre 12. T'en as que 6, mais je te les prends. Des 15 par 25 CCL. CLL, c'est mes. C'est mon fusil à énergie standard. Et. Je crois qu'on est bon. On est bon. J'utilise rien qui tire du 7, du 7,77. Combi sac, de toute façon tu vendras rien de plus intéressant que ce que j'ai fait voir. Quand même, mais ça coûte cher hein, ton histoire. Des combis, ouais, t'auras rien qui vaudra ce que j'ai. Des casques, c'est sûr aussi. Des tenues. Le pancho des colons. Si. Et le pancho des colons. Il y a un petit swag. Il y a un petit swag. Le pancho des colons là. Waouh, il avait un petit swag. Mais bon, j'ai la meilleure tenue qui soit, donc... Alors. Moi, je suis assez d'accord pour faire une razzia. Mais... Est-ce que c'est bien sérieux? Est-ce que je sais que j'ai besoin d'un... d'une bouffe là-dedans, hein, d'un truc qui se mange, là Mais je sais même plus c'est quoi, c'est ça le problème. Des pièces de vaisseau? Je te les prends. Pâte de soins, pépites d'avoine... Putain, ils vendent du soin, hein. Putain, c'est fou, hein. Ressources... Ah, ils vendent des trucs, hein. Putain, ils rigolent pas, les gars. Ah ouais, c'est un vrai bon marchand, hein. Et juste pour savoir... Non, tu vends pas d'aligneur, ok. Ouais, bah c'est cool. Vers la lune donc. Changeons de l'équipement. Je crois que je t'ai filé des flingues. Ouais,
Ta masse-flingue. Je veux juste celui, pas celui que t'as équipé, quoi. Récupérer toutes les ressources, voilà. Au revoir. Vous faites une escale sur la route pour Jamison? Vous cherchez du carburant? Donc elle a 23 000 crédits. Allons-y pour appauvrir cette bonne dame. Un basificateur, évidemment. Moi, je lui ai acheté celui-là. Ça, c'est celui que je garde. Ça, ouais, et tout le reste, c'est bon, ça dérape. Il y a des trucs que j'ai pas trop regardé, mais... Globalement, voilà, ça dérape. Voilà, on lui a récupéré un on a déjà récupéré un petit peu d'argent. Oui, la combinaison de stellaire, tu peux la vendre. Les casques inutiles, diverses et variées, tu peux les vendre. Ça, c'est très intéressant. J'en ai marre de consommer de l'oxygène. Alors, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il n'y a pas de protection thermique, mais forte atmosphérique et corrosion. Ablation, moins 15% de dégâts d'énergie subis. Galvanisé, plus 25% de résistance à la corrosion. Réactif, 10% de chance de faire vaciller les assaillants proches. C'est pas ouf. Ça, moins 25% de consommation d'oxygène, c'est quand même un peu sexy. Hein. Le problème, c'est que la marque 1, elle est tellement forte en termes de stats. Qu'est-ce que tu... C'est du vieux blanc, et c'est mieux que n'importe quoi. C'est fou. C'est un délire. Des grenades, je n'aime pas. Il lui reste plus que 10 000 balles. Des antibios. J'en garde deux, à la limite. Des attelles. J'en garde pas, je sais que j'en ai dans le vaisseau. Large. De la bière, hein, vas-y, hein, la bourrasque. Ah tiens, les suppositoires, je te les vends. La picole, je te la vends, je crois pas que j'en ai besoin. Cocktail d'antibiotiques, bah, j'ai fabriqué moi-même des antibios. Ou alors c'est mieux. C'est mieux. On file les antibios. Je crois que c'est ça dont j'ai besoin, des trucs comme ça, là. Mais je ne suis point sûr. Des croque-colas au poulet emballé, machin, vire-moi ça. Je sais pas de quoi j'ai besoin, ça m'emmerde. Je crois que c'est des trucs genre Canuck, pour Canada Huck. Ok. De l'eau distillée. Alors, l'eau distillée, c'est bien. Il m'en manque 10. Je voudrais le garder. Je sais pas. Ouais, kit d'urgence en plus ça pèse. Pire les. Un super pad de la laitue. On va pas commencer à vendre tout et n'importe quoi non plus. Hein. Pièce de vaisseau, on garde tout bien sûr, on garde tout. La pâte de soins, il n'y en a pas réellement besoin. Parce que j'ai des pâtes beaucoup plus puissantes. Des remèdes miracles. Ça c'est un peu fort. Mais est-ce que j'en ai pas un peu trop? Genre, vends-en 10, c'est bien, tu vois. Genre... Zéro pression. Du thé alien. Des gains de pourcents d'XP. Alors, je devrais pas les vendre, hein. Je vends tout le temps tout, mais 1%, je veux pas être méchant, hein, mais 1% d'XP. 10%, ce serait sérieux. Genre, ok, tu tues une bestiole, elle vaut 40 XP, t'en rapporte 44. 1%, c'est ridicule. Alors, à moins que ce soit 1% dont minimum 1, c'est-à-dire que même quand tu tues une bestiole à 1 XP, t'en gagnes 2. Il n'y a que comme ça, qu'en trichant, mais sinon, je trouve ça mais ridicule. Ridicule. 1 XP, voilà. C'est ridicule. Eh ben, c'est déjà bien. Est-ce que, surtout, je peux te vendre... Voilà. Ma poubelle. Est-ce que je peux vous vendre ma poubelle? Je peux... quitter mes poubelles chez vous. S'il vous plaît. Excusez-moi, je peux prendre un café en même temps. Voilà.
moi. Au moins, grâce à moi, vous aurez un peu de tout dans votre station. Si jamais vous manque quelque chose, je l'ai. Vous avez récupéré des PQ, des marteaux, des agrafeuses, vous avez tout. Tout, un paquet de cartes à jouer, même des trucs que vous pensiez même pas que vous pourriez en avoir besoin. Imaginez un scalpel, quoi. Il y a tout. Ah, des tasses, de la déco, il y a tout. Il y a même des gobelets, bien sûr. Hein. J'ai des gobelets, j'ai des rouleaux de PQ. Ça, par contre, on en a. La vessieuse à percussion et même des œufs chelous. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. J'y tiens. Ouais, vend tout ça. Allez hop, ça c'est vendu. Ressources, on peut peut-être... vous remettre un petit peu de benzène, genre. Genre même ça. Benzène, déjà, c'est pas mal. Chlore, machin, de la flotte. Je peux facilement vous passer tout ça. De l'enduit. On en a assez, je t'en passe. Et des meilleurs. Touk touk touk, des nutriments tissus. Putain, deux secondes, ça c'est de la bouffe, ça. Excusez-moi, je reviens. On doit assurer notre propre protection. Excusez-moi, je crois que j'avais laissé de la bouffe sur la madame. Je reviens tout de suite après la pub. Hein. J'ai laissé de la bouffe sur la madame. Mais c'est un scandale. J'ai laissé de la nourriture sur quelqu'un. Non, c'est fou, ça. Est-ce que je trouverai un jour le moyen de me pardonner? Je ne pense pas. Hein. De l'eau distillée ou un alien séché. Fais-moi sécher un alien. D'accord. Ouais, j'ai peut-être du coup vendu un peu vite. Mais ça veut dire qu'en termes de pharmaceutique, j'ai encore du pouvoir absolu. Deux secondes, je reviens. Capacité de mon inventaire, on est où? 400, on est un petit peu trop loin. Ah bah voilà, on peut refaire des choses. Et un remède miracle, et une attelle, d'ailleurs même un peu plus d'une attelle, deux attelles, et des amplificateurs hein, par paquet de 12. Voilà. Impeccable. Ça refait un peu d'XP, tout le monde y est très content. C'est magnifique. T'appeler à moi parce que AMOI voilà, à moi. Ah, t'as ton blaze. Félicitations. Voilà, si on veut donner un peu de style, on peut l'appeler AMOI. Voilà, c'est tout. Voilà, bonjour madame. Vous allez à la mine? Je suis à la cuisine moi. On n'a pas besoin d'aide, mais les crédits sont bienvenus. Ah, c'est l'inverse qui va se produire. Pas comme ça que ça va se passer. Ouais, j'en ai vendu une. Allez, sympa. Vitesse de déplacement, machin. Ouais, non, mais... ouais, j'en garde deux, ça sera largement suffisant. Kit de soins, je garde. Liqueur alien, tu me vends ça. Voilà, c'est très bien. Ça ne sert à rien. Pièce de vaisseau, c'est pour moi. Des remèdes miracles. Bah, du coup, je vais pas en vendre spécialement. Je vais en garder 11. Ça part... mais alors du coup, vraie question ma bonne dame, est-ce que par le plus grand des hasards, dans tes ressources, je t'aurais vendu... Je crois que je t'en ai vendu en plus. Enduit tissu, cet objet peut être utilisé comme composant de fabrication. En fait, je sais plus c'est lequel, mais je crois que c'est ça. Je crois qu'on a tout dit, madame. Un instant. Si vous avez besoin de voir quoi, c'est bien ce ça. Soit d'autre, pensez à nous. Et non, c'était de la membrane qu'il me fallait. Eh, je me suis gouré.
C'était de la membrane. Tu vends pas de la membrane. Dites-moi si vous avez faim, je peux peut-être vous trouver quelque... On n'a pas beaucoup de... Alors, faim, non, ça va pas trop être un problème. On disait... ressources, madame, est-ce que tu as de la membrane? Nickel, M. Eh ben voilà. La madame a de la membrane. J'espère que vous arriverez à bon port. C'est l'heure de cuisiner. Eh ben voilà, très joli. Alors, de l'eau ou... 54, putain, j'en ai un. Wouh. Vas-y, hein. 15 XP. Quoi, ça vaut le coup de leur acheter leur stock, hein. Vous pouvez avoir confiance en notre... Jetez un œil. Je suis sûr que j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Alors, c'est plutôt l'inverse. Un peu moi qui ai quelque chose qui va t'intéresser. Ça s'appelle de la bouffe. Voilà. Ça me fait plaisir. De la bouffe. Et j'ai tout vendu. Je crois que je t'ai donné de l'argent, madame. Je me suis pas foutu de toi. L'Orion, je crois que je m'en servirai jamais. Quand je vois le DPS du truc, j'ai envie de pleurer. Et j'ai acheté le paf paf, ça avait l'air rigolo. J'arrête d'acheter des conneries juste parce que ça a l'air drôle. C'est pas très sage de faire ça. Le sac c'est mon Mark 2, le casque c'est le Constellation. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Prends ça? Ah oui, je l'avais gardé, c'était collector. Ah ouais, ouais. Ouais. Attel ou attel ancré. Ça, tu peux tout vendre. On va garder que les attels ancrés qui ont l'air d'être bien meilleurs. Les injecteurs pourris. Mais je crois que j'ai bien mieux. Ouais, j'ai le remède miracle. Alors que l'injecteur, c'est juste, ça soigne, c'est nul. Le pansement de base, c'est nul. J'ai mieux. Et la pénicilline, on va garder. On va garder la pénicilline. Des ressources, en veux-tu, en voilà, mais je suis pas sûr que j'ai forcément envie d'en vendre. Voilà, c'était vraiment histoire de te faire descendre un peu, voilà, benzène, on va en trouver encore un peu, je peux t'enlourder un peu, c'est pas trop le souci. Hop, par contre, j'aimerais racheter le casque de Debilus, voilà, il est historique, c'est pour ça qu'on le garde. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vendre à partir de moi, je pense, ça c'est les infusés, ça c'est les attels tout court, c'est vendu. Cocktail d'antibiotiques, injecteur nul, un granola, voilà. j'en ai un peu trop, hop, vends-en 4, voilà. On est sûr comme ça qu'on n'a pas perdu. T'as besoin d'aide ? On n'embauche pas si c'est ce que vous me demandez. Mais si vous cherchez du boulot, allez jeter un œil au tableau de mission. Il y a toujours des contrats pour un vaisseau et son équipage. D'accord. Je peux modifier mon vaisseau ici ? Pas de problème, je vais vous montrer ce qu'on a. Oh, c'est pas une blague en plus ! Non, incroyable ! Incroyable. Ouais, le vaisseau qui ressemble à rien, il a moins. Il y a peu de chances qu'on se recroise. Bonjour. Non, je m'occupe pas de l'argent. Allez voir mon bras droit. Mais ça a l'air très bien, ça. Établi de combinaison spatiale. Oui, alors on va pas pouvoir modifier grand-chose, mais... Protection balistique, emplacement 2, de toute façon je peux rien mettre. Voilà. J'ai pas le niveau. J'ai pas le niveau pour faire quoi que ce soit, même si j'ai les ressources, j'ai pas le droit. On va avoir des capacités à modifier les casques. Bon, bah, ok, d'accord, super, magnifique. Et sur lui que je viens de récupérer, voilà, lui je peux peut-être faire quelque chose quand même. Voilà, une petite réserve d'oxygène par exemple. Bon travail. Je viens de le récupérer, on peut quand même. Voilà, on peut quand même recoller un truc ou deux, bande de salauds. Allô ? Et apparence, on est ok. Voilà, donc non, ça déjà, j'ai pu actualiser mon sac. Ça, c'est une bonne chose. Ah, on va pouvoir commencer à s'amuser, voyons. Voilà, voilà. Alors, le long.
stabilisant le standard. Et on peut... de toute façon, je ne veux pas installer celui-là. Il est vraiment beaucoup plus mieux. Canon stabilisant... considérablement la précision. Le contrôle du recul auprès d'une réduction de la vitesse de visée en restant immobile. Ouais. Bon bah écoute. On va améliorer un canon, déjà. C'est déjà ça fait. Viseur laser, hein. Ça part. Voilà, ça y est. Enfin un vrai flingue. Frein de bouche. Eh ben, frein de bouche. Ah, je peux pas. Pourquoi? Mode de canon 1. Normalement, je peux pas. D'accord. Bon, bah, pas de frein de bouche. Poignée cross, par contre. La ergonomique. Ouais, ouais. Mais évidemment, l'idéal, ça sera sûrement celle-là, je suppose. Mais on peut pas. Allez, on part sur une petite poignée ergonomique. C'est très bien. Hop, le chargeur. Bah, ça va être le tactique, hein, 100%. Ou le petit chargeur. Non, pas le petit chargeur, le tactique, s'il te plaît. Plus léger, qui améliore considérablement la vitesse de visée et de rechargement. Allez. On fait des petits trucs, quoi. Et puis, ça, bah, ça, on peut pas. Hein. Ça faut être grand pour faire ça. Culasse. Semi-auto. Entièrement automatique. Culasse qui tire un projectile par coup. Ah oui, ça améliore... Ouah, les dégâts! Ah ouais! Ah, tu passes en semi-automatique, mais... chaque cartouche fait un trou de balle... de fou. Ok, et apparence, il n'y a rien d'autre à ajouter. Très bien. Fusil de papa. Canon court. Ça n'intéresse personne, le canon court. Frein de bouche. Compensateur. Ah, compensateur. Hein. Moi, je dis compensateur. Hein. Bonne idée. L'arme devrait en être que plus efficace. Cross, bien sûr. Voilà. Bah, nous, on tire au plomb. Hein. Ah non, cartouche standard. Ah, je peux pas le tirer au plomb. Je sais pas ce qu'il faut. Mais de toute façon, c'est pas... C'est moins intéressant, le plomb. Non, 109,6. Allez, 109,6 si je tire au plomb. Grosse précision. Ah oui, en fait, oui. Ok, je tire plus en shrapnel, en... Ah, en... Je trouverai pas le mot. Mais en grenaille, en... Ah, je l'ai plus. Enfin, vous avez compris, quoi. Je tire plus qu'une balle, visiblement. Il me faut quoi pour ça, d'ailleurs? Pour améliorer ce pépon. Mode et chargeur et batterie 1. Les recherches. Les recherches que je ne peux pas faire. Je pense. Ça, c'était les modes internes hein, qu'on avait vu. Ok, apparence. Et puis, bah, apparence, apparence, quoi. Ok. Bon, bah, cool. Déjà, on a repoussé un peu les limites de notre armement. Ce qui fait grand plaisir. Elle est grave cool, cette petite station. Elle est trop mignonne. J'aime beaucoup. Ah, ils ont même un ping-pong. Oh, ils font un gobelet pong. Oh, ils ont une petite vue. Oh, en plus, c'est bien éclairé chez eux. Il ne faut rien voler. Même si c'est tentant. Il ne faut pas. Je peux vous taper un lit là? En boost, on peut leur taper des lits, non mais vraiment. Allez, debout. Non, mais en plus de ça, ils sont gentils quoi. En fait, je fais surtout le tour parce que j'aimerais voir s'ils ont un magazine. S'il y a un magazine à se mettre sous la dent. Parce que là, il n'y a pas de pitié. S'il y a un magazine, je le prends. Non. Bon, bah, ça a l'air cool, hein. Ça a l'air cool. Ouf. Vous vous promenez avec ça? Allez, bon. Ouais, ouais, je me balade avec tout ça. C'était grave cool. C'était grave, grave cool. J'étais très content. C'était méga yam.
Ça, c'est leur petit vaisseau à eux, c'est ça? Petit vaisseau. Je peux pas courir en surcharge, évidemment. Ouais, c'est chez eux. Inaccessible. Ok. Ok, ok. Eh ben. C'était grave sympa. Oula, oula. Oulé. C'est vraiment nécessaire de transporter. Et là, c'est à 500 et quelques mètres. Ah bah, en avant, hein. Alors, oui, ceci dit, on va peut-être pouvoir s'alléger parce que je dois peser une mégatonne. Et je parle pas de la cité, de mégatonne. Ouais, je suis à 4, 87, je vais lui refourguer. Ouais, tu donnes envie de vomir, toi. Calme-toi, fille. Voyons ce que vous avez. Mon inventaire, mes ressources, transfère-lui tout ce qu'on a, voilà, tout ce qu'on peut lui transférer, on lui met. Tu peux pas lui rajouter un petit fluide, non? On n'a pas un truc à 0,10 là? Voilà, magnifique. Bien joué ma grande. Ok. Du coup, moi je suis tombé à combien? J'ai même pas regardé. 275. On est un petit peu trop lourd, mais du coup ça va. Un petit peu, mais ça va. Le fameux. Dommage qu'ils n'aient pas de station de recherche, hein. Petit regret si on peut dire. Hein. Ah, le fusil d'El Papa quoi. Ah, c'est le truc des machins qui briquent qu'on va trouver. Ah, j'aurais pu récupérer d'ailleurs les autres flingues pour les améliorer, j'y pensais. J'aurais pu faire ça. Je me serais alourdi avec les autres pistolets, mais pour le coup, j'aurais pu en profiter pour les améliorer. Bon, en tout cas, le fusil de papa a été amélioré. On est très content, il fait très mal. C'est formidable. D'un revers de manchette. C'est un peu insultant pour un prédateur. Je crois que... Hein? Oh. Je vois ton ombre. T'es où? Allô? Là, je vois son ombre. Mais où est la lune? Où est le truc qui fait des reflets lumineux? Ça m'emmerde. Bon. Bah, j'ai trouvé le truc. Est-ce que j'ai envie de rentrer dedans? Je sais pas. C'est considéré comme explorer? J'ai pas envie de me faire chier, c'est pour ça. J'ai envie de passer à autre chose. C'est explorer. Allez, salut, à plus tard. Nous on va retourner vers l'avant-poste civil. J'ai presque envie de vendre un flingue et racheter mon flingue. Cool.
comment elle m'a ignoré. C'était incroyable. Ce morceau de cette forme de vie devrait se révéler utile. Wow, c'est avec tellement de froideur, c'est incroyable. Pour lui, il y a un autre minerai d'eau. Minerai d'eau. Cristal, quoi. L'eau cristallisée. C'est quoi ça? De l'enduit. L'enduit, c'est pas du vol? Je le prends alors. Rosaline du fer, ok. Un peu raide la pente de votre machin, non? Ça a l'air ok. De toute façon, nous, l'objectif il serait plutôt par là. On est un peu plein. Et je crois que cette structure qu'on esquive depuis le début, elle est proche de du frontière. Ou carrément d'ailleurs se rendre aux frontières. En vrai, se rendre aux frontières, c'est pas déconnant. Comme ça, je lourde tous les minéraux, les métaux, les machins. Ouais, ouais, on va faire ça. Allez vers... On va se rendre là-bas. On me paraît sage comme décision. Étonnamment. Pareil. Termes de niveau, points, tout ça, j'ai toujours 0 points. Faut vraiment que je trouve la possibilité de... Enfin, faut que je monte les modes des armes, parce que pareil, c'est notre limite de DPS, elle est un peu là aussi, quoi. Mais bon, 3 niveaux pour potentiellement un seul canon amélioré, c'est un peu mal, quoi. On peut tout réutiliser là-dedans. C'est certifié. On te dérange peut-être? Ramène-toi là. Get Daronhead. Critique. Je laisse ça va ton ninja. Elle a pas tendu à arriver l'énorme truc derrière là. Les coups de calibre 12 l'ont rendu sourde. Attends. Il se passe des trucs. Hein. En fait, je vais un peu droit sur la structure là. C'est un peu ce qui est en train de se passer, non? De l'ur. Pas des urs partout. Hein. De l'ur partout.
pelure, à plus savoir quoi en faire. C'était quoi? Bah, c'était un coup de 12, enfin, ouais, enfin un coup de 12. Bon, ça c'est un coup de 12. Oh, attends, c'est bon, je l'ai. Oh, Polo, bouge pas. Hop là, regarde, rechargement. On charge plus vite. Oh mais non, mais l'autre... Oh mais non. La pression, elle nous a fait disparaître la pression. Je sais pas. C'est vous qui allez transporter ce truc dégueulasse. Bah, c'est moi qui le transporte, en effet. Sinon, ça t'intéresse pas de venir nous embrouiller? Ça avait pas l'air de la passionner plus que ça, mais bon... C'est loin ce machin ou pas là? 500 mètres? Oh, ça rentre dans le même épisode! Oh, je sais pas, hein, je connais pas la longueur de l'épisode, j'ai fini mon café depuis un moment, du coup je suis perdu en termes de notion de temps. Ouais, c'est... ma notion de temps c'est le café. Oh! Oh! Vers la lune, non? On est plus très loin. Le frontière est à portée de main. On va aller voir cette structure, soi-disant. Ce truc, quoi. Enfin, ça se descend, ça c'est sûr. Cette structure. Structure type. On... C'est à 30 mètres le machin. Trop de munitions gâchées pour ces trucs-là, hein, vraiment. Vraiment, comment je jette mes munitions par les fenêtres pour ce truc, juste parce que je sais que ça possède un nutriment, enfin, un machin qui se mange, là. C'est quoi, c'est une membrane, je sais plus, juste. Non, c'est nutriment, en plus, c'est genre, c'est viande d'alien. Viande d'alien versus Predator. C'est que des urs. C'est que des urs. Il y a une énorme différence entre ce que nous ferait et qui nous fait trop de choses. Ouais, mais c'est des urs. Avec un Z au début. Moi je suis un orque dans ma tête, moi je veux une hache en zur. Ok, les mecs ils ont laissé leur tir pâle ici. On va y arriver. Ça, c'est abandonné. Il y a un patient qui est mort. Intéressant. Je vois pas où il est, mais on me dit que c'est mort. Finalement, on serait pas ça dans un autre épisode. Déverrouiller nécessite un ordinateur. Oh, est-ce que finalement, c'est pas scénarisé? Et du coup, je peux pas y aller parce que je respecte pas le scénarium. Respecter le scénarium là.
respecte le scénarium. Bon, après, je peux mépriser le scénarium et juste sauter en bas. Parce qu'on saute rarement en haut, mais bon, si, on pourrait sauter en haut. Je dis de la merde. Je pourrais complètement. Hein. Et ok. Je pense que c'est ce qui va se passer. Hein. Je vais rentrer de force dedans. Fluor. Voilà, c'est récupéré. Ok. C'est un vieux labo, quoi. Et donc, t'es en train de me dire, moi, j'ai pas le droit de rentrer ici. T'es un malade. T'as cru que t'avais le droit de me dire où est-ce que j'avais le droit de rentrer, où est-ce que je n'avais pas le droit de rentrer. Il est malade, lui. C'est un fou. Personne lui a dit qui j'étais. Ceux-ci sont des patients. Ils ont l'air d'avoir été refroidis. J'ai ouvert une porte, mais comme une brute, hein. Xenostico. Ok. Beaucoup de glace. Sur quoi tu tires, meuf? Ah. T'as buté celui-là, c'est ça? On est très fiers de toi. Bravo. Ok. Je sens que j'ai mis le pied dans des embrouilles, j'aurais peut-être pas dû. On aurait peut-être dû dire, oh, fin de l'épisode, on se retrouve dans le prochain. Des regrets. Je commence à déjà à avoir des regrets. Ok. Du loot. Ah, et par contre, c'est un labo. On va récupérer des fioles. Oh ouais, la richesse. Le pognon. Le maxima fric. La bouffe qui traîne par terre. De Twitch. Oh là 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 là. Sandwich or for the heights clearance personnel only. Le sandwich est devenu sacré Tesla. Les coups de crosse infligent deux fois plus de dégâts. Radioactif inflige ouais, okay, des dégâts de type radioactif. Il a l'air pas mal le flingue. Il a l'air pas mal rigolo. Oh, putain, mais vraiment. Planque de sandwich, quoi, dirait ma planque. Mon idée d'une planque parfaite. Des seringues. Est-ce qu'ils faisaient des tests sur des consommateurs de sandwich? Ce serait terrible. Et illégal. Sûr que c'est interdit les tests sur les mangeurs de sandwich, c'est certain. Oh, des fioles. Oh, des fioles. Oh, des fioles. Mais casse-toi. Mais taper. Je vais la taper. J'ai un truc bouger là-bas ou c'est moi? Ça doit être moi. Eh? Eh? Ah, casse-toi. Casse-toi. Dégage. Prochain arrêt. Au revoir. Salut, au revoir, je veux plus te voir. Vous transportez à cette bazar ou vous voulez qu'on en trouve plus? Je veux bien qu'on en trouve plus. J'ai
J'aime bien, il y avait une énorme fiole avec un élément dedans, tu vois. Et vraiment, le truc, il m'a regardé, il m'a fait, non, c'est juste une fiole, en fait. Ah, vas-y, ramasse, c'est juste une fiole. Tout ce qu'il y a dedans, non, on s'en fout, c'est une fiole, c'est une fiole. Mais ça se trouve que le contenu vaut une forte... Non, c'est une fiole, juste une fiole. La recherche pharmaceutique n'avance plus, il faudrait des percs en chimie. Ce qui pourrait devenir intéressant, hein, d'ailleurs, au passage. Il manque quoi? Le fromage et les œufs. Oh là, des éléments de base. Hein. La tranquillité solaire. Ah! J'en ai plus, ouais. Les trucs qui donnent un XP, là. Et de la poutine canuck. D'accord, faut qu'on trouve de la poutine canuck. Ok, ok, c'était ça qui me manquait. Et là, tous les machins, fabrication industrielle, on s'en fout un peu. Tout ce qui est armes et armure, par contre. C'est combinaison spatiale. Ah ok, donc c'est vraiment le truc littéralement création d'armes. Okay. C'est les créations d'armes et le truc des modes. Ok, ça marche. Entendu. Peut-être on s'y intéressera. Fiole quoi. La seringue, on sait pas ce qu'il y a dedans et on s'en fout un peu. Fiole quoi. Derrière cette porte, les embrouilles. Bien que ça me ferait marrer qu'il y ait zéro embrouille. Genre vraiment tout le truc est vraiment abandonné. Tu t'attends vraiment à ce qu'il se passe des dingueries. Et en fait non. Tout le truc est réellement abandonné, premier degré. Ce serait un peu rigolo. Ok. Ouais. Scientifique. Ah, j'arrive à identifier que c'est un scientifique. Enfin, une scientifique. Enfin, elle a l'air de savoir lire et écrire. Comment j'ai déduit ça? Je sais pas. Qualité des sous-vêtements, peut-être. Hein. Je me suis dit, ah, des vêtements de bourges. Quelqu'un qui sait lire et écrire. Sûrement un scientifique. Les patients n'avaient qu'un caleçon. Terrible. Ah. Ah, les affaires sérieuses commencent là. Là, c'est les vraies embrouilles. C'est parti, ça va déraper, c'est sûr. Et c'est sûr que cet épisode est un petit peu, vite fait, trop long. Je pense. En même temps... Car maintenant on est une France du en même temps. Est-ce qu'il ne serait pas grand temps de mettre pause et de faire réellement ce donjon dans un autre épisode? Bien sûr que si. Je vous remercie, c'était Knarfang sur Debitude Gaming pour Starfield. À la prochaine.